Bonjour, je suis Franck Tanguy, je suis conseiller en financement. Bonjour, je suis Xavier Beauvois, je suis cinéaste, j'ai fait 7 films et je prépare le 8e. 7 films dont Les Hommes et des Dieux, Le Petit Lieutenant et Selon Mathieu, que j'ai tourné entièrement dans la région. Alors, nous sommes tous les deux des habitants du 76, on est tous les deux des habitants de la 9e circonscription de Seine-Maritime, circonscription où Stéphanie Kerbrac est la candidate de En Marche. Elle est au deuxième tour contre une candidate du Front National et nous voulions vous dire pourquoi il nous semble important de voter pour elle et de la soutenir. Moi je connais Stéphanie Kerbar, elle a à mes yeux beaucoup de qualités pour être une digne représentante à l'Assemblée Nationale, digne représentante de la région. C'est une femme, elle est issue de la société civile, elle est mère de deux enfants, elle connaît la vie de tous les jours, elle connaît plus que personne cette région et il me semble qu'elle est digne de nous représenter à Paris. Je suis tout à fait d'accord et je pense que l'époque est passée où la politique doit être un métier. Je sais que la politique, ça vient du grec la police, qui veut dire la cité. Donc on est un homme politique à partir du moment où on habite dans la cité. Donc on a besoin maintenant de gens qui habitent dans la cité. On a une chance folle dans ce pays en ce moment d'avoir des gens de la société civile dont ce n'est pas la profession. Et cette chance, il faut la saisir absolument. Et c'est aussi pour ça que moi, je soutiens Stéphanie Kerbar. Je vous demande d'aller voter. Ces élections en valent la peine. Vous avez donné une majorité au président Macron. Il faut maintenant qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, s'il vous plaît, allez-y et soutenez Stéphanie Kerbar. Et faisons barrage au Front National parce qu'on a vraiment vu leurs limites là dans ces dernières campagnes où c'était un petit peu n'importe quoi, pour dire la vérité. Merci. Merci à vous et à bientôt.